La personne que j'ai en face de moi danse, pense, réfléchit, improvise, fait plein de milliers de choses presque, je serais presque prêt de dire, mais elle en parlera pendant 12 minutes. Bonjour Philippe. Bonjour Julie. Alors là, soit on continue et on est dans l'absurde, soit on s'arrête, on corrige et on dit bah non, bonjour Julie. Bon bah bonjour Philippe. On recommence. Parce que l'absurde c'est ça, c'est une erreur, quelque chose d'anormal qui surgit et le réel qui en fait fi. Bah, en fait, ce qui est intéressant dans l'absurde, c'est ça aurait été de... On aurait continué comme si de rien n'était, on aurait fait comme si c'était normal et on aurait créé une situation absurde parce que le public ou la personne qui regarderait se dirait « c'est un peu étrange ». Mais si nous, on avait assumé complètement, mais bon après ça devient compliqué de pouvoir faire une interview un peu normale, mais ce serait ça, ouais. Un petit grain de sable dans l'engrenage. On essaiera une fois après. Avec plaisir. Mais parce que... Tu danses donc, mais tu fais aussi beaucoup de philo et tu fais le lien entre les deux. On va en parler donc pendant 12 minutes. Mais tu es philosophe et tu travailles beaucoup sur cette notion de l'absurde. Ben oui, enfin, je suis philosophe, oui, j'ai le diplôme qui fait qu'on dit que je suis philosophe. Mais l'absurde, c'est arrivé au fin. On ne sait pas trop pourquoi on fait de la philo au début. Hein. Enfin, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, puis ça, on le fait depuis toujours, je pense. Et les enfants sont les meilleurs philosophes. Mais l'absurde, c'est arrivé. Je ne me suis jamais dit, tiens... Puis d'ailleurs, il n'existe pas une discipline qui s'appelle cours d'absurde. Mais c'est quelque chose, oui, dans lequel je... Le non-sens, quoi. L'idée qu'il n'y ait pas de sens, et qu'est-ce qu'on fait malgré ça? Et comment on fait pour continuer à vivre? Comment on fait pour vivre, tout simplement? Et surtout, moi, ça me permet de justifier... De prendre plaisir à créer et de faire des choses qui sont les plus légères possibles et les plus profondes à la base, c'est-à-dire cette conscience que bah, on sait pas pourquoi on est là, on sait qu'on va mourir, enfin rien de très très joyeux, mais comme voilà, il n'y a pas de sens, bah, la moindre des choses c'est au moins de prendre du plaisir. Quoi. C'est au moins de créer. Bah, évidemment. Du coup, parce qu'effectivement, on sent dans toute ta recherche justement sur l'absurdité de l'existence, quelque chose qui est sous-jacent, qui émerge, et c'est cette urgence de l'art. Ben oui, et c'est pas une urgence dans le sens où il faut sauver la planète, c'est une urgence. C'est une urgence vitale, c'est qu'en fait, si on fait pas ça, on meurt. Enfin, et on meurt mais triste, ou alors on est, je sais pas moi, dépressif ou quoi. Alors qu'avoir la conscience de l'absurde, du non-sens, ça doit être complètement l'inverse. Que de se résigner à vivre. Au contraire, c'est une révolte, quoi, comme dit Camus. Donc c'est vraiment une révolte. Et la révolte, pour moi, elle passe par le fait de ne pas se prendre au sérieux. De faire les choses sérieusement, avec engagement, avec ses tripes, mais pas de se prendre au sérieux. Danser, sinon nous sommes perdus. Oui, ouais, mais vraiment... En fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on peut en parler et on a l'impression que ça fait une justification et que tout est bien pensé. Sauf qu'en fait, je dansais et je ne devais pas faire de la philo. Je savais pas ce que c'était. C'est par hasard que j'ai rencontré la philo. Et c'est au fur et à mesure qu'on se rend compte que bah, finalement, tout ce qu'on fait depuis le début, ah, bah, c'est ça en fait. C'est ça le sens que moi, je donne à ce que je fais. Mais je trouve que dans la danse, il y a vraiment quelque chose de... On est au-delà du langage, donc on passe au-delà des petites étiquettes que sont les mots, même si voilà, la poésie... En plus, j'aime les mots et jouer avec les mots. Mais quand même, il y a dans la danse une sorte d'expression vitale première, quoi. Et d'expression qui va au-delà des usages. C'est ce que Pina Bausch, donc justement que je viens de citer, montrait à sa manière. Mmh. En fait. Ah bah oui, et chez elle, il y a encore quelque chose qui lui appartient et qui est tellement beau. Enfin voilà, on pourrait parler de Pina Bausch pendant des heures, mais c'est vrai que sans vouloir empiéter, parce que moi, ma démarche, elle est un peu différente, mais c'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas de... La vie est trop courte pour pas aller directement à l'émotion pure. Et je trouve que la danse, en tout cas, voilà, moi, personnellement, est un art qui nous amène directement à l'émotion. Alors, la danse, justement, comment en es-tu arrivé à la danse? Qu'est-ce qui a déclenché en toi la danse? Ben, je sais pas, ma mère a dansé jusqu'à 8 mois de grossesse, donc je pense que j'ai dansé avant de naître.
Et puis bah, ma mère dansant, je sais pas, vers 4-5 ans, quand on demande aux enfants ce qu'ils veulent faire, bah, je voulais danser. Et puis j'ai tout le temps dansé en fait. Mais oui, voilà, tout le temps. Et ma mère d'ailleurs n'a toujours pas arrêté de danser, tout le monde. Enfin voilà, c'est vraiment une sorte de filiation que j'ai pas choisie. Il y a des moments où j'en avais marre, parce que la danse, quand on est formé à la danse classique, où il y a. Ils sont pas drôles, les rapports au corps, les rapports au temps, voilà, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Mais non, j'ai toujours dansé. Toujours. Toujours, ouais. C'est quelque ton chose. Corps est danse. Je pense que tout le monde a un corps, c'est le grand, les corps dansants. Je pense qu'on l'est tous. Après, c'est les barrières psychologiques, mentales qu'on se met. Mais n'importe quel mouvement est danse. Après, c'est peut-être ça se joue au niveau de la conscience qu'on en a. Mais vraiment, pour moi, tout corps est mouvement. Et le mouvement, c'est de la danse. C'est marrant parce que dans une des conférences que tu fais, justement, tu parles des Monty Python, ouais. Et du ministère... Des marges absurdes. Des marges absurdes, oui. Ouais. Ben, pour moi, c'est vraiment un archétype et je conseille tout le monde un petit coup de cafard de regarder les Monty Python. Mais ce qui est assez chouette, c'est que bon, ils prennent l'institution, voilà, le ministère des marges absurdes, donc c'est un ministre très très avec tout ce que ça peut avoir d'institutionnel. Et en fait, les gens viennent pour demander des subventions pour développer leur propre marge absurde. Donc ça ressemble, moi qui suis danseuse, quand on demande des subventions pour créer des spectacles, on est vraiment dans la même démarche. Et c'est assez drôle parce que du coup, de quelque chose qui est complètement ridicule, absurde, de créer une marche absurde, ça devient un devoir et en plus on a une subvention ou pas. Et puis en l'occurrence, la personne qui vient, le ministre lui dit bah non, que sa marche elle est un peu, voilà, il n'y a que la jambe droite qui bouge un peu bizarrement, qu'il va falloir qu'il développe un peu cet absurde avant d'avoir des subventions. Et ça, c'est pour moi, c'est un petit bijou d'art absurde, quoi, vraiment. Et on s'approche effectivement de la danse, du coup, et c'est clair. Ben, c'est que ça passe par le corps, en fait. C'est quand même un moyen super de sortir du cadre. L'absurde, c'est la prise de conscience, en fait, de l'arbitraire des cadres dans lesquels on vit. Et c'est sûr que le corps, si d'un seul coup je me mets à me lever et à faire un truc de danse contemporaine, là, à me jeter au sol, sur une scène, c'est très bien. Si je me mets à le faire là dans une interview... Ah, il y a un petit twist, et moi c'est ce que je préfère. C'est l'idée de Charivari aussi. Enfin, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut faire. Donc revenons-en à la danse. Donc pour toi, enfin à ton parcours dans la danse, qui fait partie de ton corps depuis le début, comme tu le dis très très bien. Et tu t'es formé, comment t'en es arrivé aujourd'hui à rejoindre la compagnie NGC 25 par exemple. Être danseuse professionnelle, soit mon métier, qu'on me paye pour ça. Et ben c'est pas du tout typique. J'ai pas du tout un parcours de danseuse professionnelle parce que j'ai pas fait de conservatoire, j'ai pas intégré des écoles de danse, enfin des écoles reconnues nationales. J'ai été formée à Saint-Sébastien-sur-Loire, voilà, petite, j'ai fait jusqu'à mes... je suis restée jusqu'à mes 30 ans, je crois, dans cette école-là. Et en fait, j'avais une professeure qui était très, très exigeante et ça m'a beaucoup formée, qui m'a structurée techniquement. Et surtout, j'ai eu la chance de faire partie très, très tôt de groupes de création, de recherche chorégraphique. Et sans que ce soit professionnel, l'exigence qu'il y avait là où j'étais était, je me rends compte aujourd'hui, autant voire plus exigeant qu'une école, parce que finalement il y avait que moi j'ai travaillé en duo avec cette prof, j'ai aussi travaillé en duo, trio avec d'autres élèves, voilà, et on touchait aux portes du professionnalisme. Et c'est comme ça qu'Hervé m'a rencontrée d'ailleurs. Bon, entre-temps, je suis partie à l'étranger et puis je suis revenue, mais c'est grâce à des personnes comme ça, hors circuit mais exigeants. T'es partie à l'étranger effectivement pour danser notamment finalement. Non, pour ma thèse en philo. Pour ta thèse en philo. Non, pour la danse, j'ai pas bougé. La danse est plutôt ici finalement dans ma vie. C'est vrai, c'est de la thèse en philo dans une université, c'est ça? Oui, non. Parce qu'après, j'ai été à Paris, là où j'ai rencontré mon directeur de thèse, et comme je dansais, je travaillais. Et je donnais des cours de philo et aussi je montais des spectacles de danse au Lila. Et il m'a envoyé à San Francisco et ça m'a un peu arraché. Parce que moi, j'aimais bien ce que je faisais. Donc si je veux faire autre chose, il faut que je m'auto-piège, quoi. Il faut que je parte. Et donc je suis partie à San Francisco et je suis revenue. Et,
Et le jour où j'ai eu ma thèse, 6 mois plus tard, j'étais danseuse pro. Comme quoi, faites des thèses de philo, vous serez danseuse. Ton parcours est incroyable. Parce que parallèlement, en plus à toutes tes études de philo, tu as fait du théâtre au cours Florent pendant 3 ans ou 4 ans. Au cours Florent, j'avais fait un stage et j'en avais fait plusieurs. Mais comme j'étais en prépa à Nantes, je n'ai pas intégré l'école. Je me dis, je ne vais pas arrêter ce que je fais pour être sur le marché des jeunes comédiens et... Et oui, j'ai fait du théâtre, j'étais à la Lina. En fait, maintenant je le sais, mais la clé pour moi, hein, ce qui a été la clé, c'était de pas. Ça a été de toujours tout faire sans trop se poser de questions et de viser loin. C'est-à-dire, tant que j'avais pas de raison d'arrêter, j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté la danse, j'ai jamais arrêté la philo. Une philosophe qui ne se pose pas de questions, c'est possible ? Bah. Je pense qu'une philosophe qui se pose des questions essentielles se pose pas trop de questions sur est-ce que je dois arrêter ou pas, tant que je peux, quoi. En tout cas, ça a été mon moteur, quoi. Et là, t'es partie aussi sur une vraie recherche qui mêle le numérique, le mapping numérique et la danse dans une immédiateté de l'image, dans une... Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce travail avec Michael Lafontaine? Ah oui, ce travail. Alors, Michael Lafontaine, en plus, c'est un ami, on s'est rencontrés en philosophie. Bon, moi, j'arrive à un moment, là, dans ma vie, où les choses se font écho et les choses prennent forme. Et Michael, lui, est devenu artiste numérique, comme quoi la philo, ça mène vraiment à tout. Et en tant qu'ami, il me disait voilà, qu'il développait, il y a 4-5 ans... Du mapping dynamique, c'est-à-dire on scanne une silhouette avec une caméra qui s'appelle une Kinect et la projection suit les mouvements en fait, de la personne. Évidemment, c'est intéressant d'avoir un danseur et on avait fait un petit test il y a 5 ans de ça où je dansais, où voilà, lui pouvait tester les différentes images et les différents modèles qu'il avait de mapping. Et on a adoré faire ça, on a même pensé le projet qui s'appelle Homo Faber, on a pensé plein de choses et puis tous les deux étant happés dans nos vies respectives, voilà, ça a été mis de côté et là je sens que ça va être le bon, ça va sortir bientôt. Puis ça fait écho là parce que je travaille avec l'école d'architecture avec les masters Archirep, donc architecture en représentation, et me voilà de nouveau avec du mapping, de la danse, donc je me dis qu'il y a quelque chose qui va se faire, qui n'est pas si absurde que ça au fond. Ah non, mais ça va faire sens, il n'y a peut-être pas de sens plus que ça, mais là ça va se faire. Tous ces sens, tous ces parcours effectivement vont converger vers cette création-là, vers la prochaine création d'NEC 25 que vous allez bientôt finir. Oui, alors là, il n'y aura pas de mapping, c'est encore... Enfin, et ce sera... Mais déjà, ça va être un gros projet. Super, merci, bravo. Moi, je trouve ça extraordinaire, et comme dirait Pina Broche, dansons, sinon nous sommes perdus. Dansons. Et pensons. Oui, mais ça va avec.